Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous nous avez demandé, c'est une vidéo routine avant séance. Donc là, je suis allée poser mes affaires à mon casier, je suis allée chercher le licol d'Azur qui est au pré et je viens de voir qu'il est dégueu. Je vais sortir ma boîte de pompage et je lui mets toujours un petit coup de spray sur la queue en premier. Donc j'y vais pas de main morte, j'y mets bien, surtout qu'il a été au pré sur la crinière. Que le temps que je fasse le pansage, le produit il agit. Comme il est noir, moi ma petite astuce à moi c'est de l'eau. Je mets de l'eau et je l'asperge d'eau. Donc c'est léger hein, parce qu'il fait frais. Et en fait, l'eau permet d'enlever l'électricité statique qu'il y a dans les poils. Et du coup, bah, comme vous pouvez le voir, ça s'enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Du coup, voilà, petite astuce du jour. Pour ceux qui ont des noirs. Maintenant qu'Azur est propre, on va pouvoir l'équiper. Je l'ai brossé de partout, sans exception, du bout des sabots jusqu'au bout des oreilles. Maintenant, on va mettre les bandes, on va mettre les bandes. Nobody
revelation of a thousand moments. Ooh, my kebab, my kebab, my kebab, girl, I got a ooh, my kebab makes my body dance for ya. Ooh, my kebab, my kebab, my kebab. Maintenant qu'Azur est prêt, ça va être à moi, donc je vais mettre mes... maintenant qu'Azur est prêt, je vais m'équiper moi, donc je vais mettre mes bottes et ma bombe, et puis après je vais mettre le filet, et puis go carrière. D'importance à la propreté de mon cheval. Je l'ai pas fait exclusivement pour la vidéo, ça se passe toujours comme ça. J'apporte beaucoup d'importance à ce qu'il soit propre, que mon matériel soit propre, ainsi que moi. Donc voilà. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt. Moi je pars pour travailler sur le plat.